ministre de l'Intérieur a proclamé les résultats. Il reste la Cour constitutionnelle qui doit les valider. Il peut y avoir des recours aussi des autres candidats. Elle lui dira félicitations lorsque tout le processus institutionnel aura été épuisé. Quand on, à l'annonce de ces résultats, la première chose qui se passe, c'est que le consulat de France est attaqué. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous expliquez que les opposants à Ali Bongo se manifestent en attaquant le consulat de France? Je dis que c'est un malentendu, manifestement, parce qu'il y a une injustice flagrante. La France ne s'est à aucun moment mêlée de ces élections. Mais au défi quiconque d'apporter une preuve de que nous aurions apporté tel ou tel soutien. Donc je dis que c'est vraiment un grand malentendu et que les Gabonais doivent savoir que la France est restée d'une neutralité totale. Évidemment, je condamne cet acte qui est pour l'instant un acte isolé et nous appelons au calme et au respect des institutions. La France n'avait pas Ali Bongo comme candidat? Bien sûr que non. La France n'a eu aucun candidat. D'ailleurs, la campagne électorale a été très brève après le décès de l'ancien chef de l'État. Nous n'avions aucun candidat. Est-ce que vous craignez une explosion de violence dans les prochains jours? On ne peut jamais être certain de ce qui va se passer, mais au moment où je m'exprime, les informations qui me reviennent de Libreville montrent que la situation, pour l'instant en tout cas, est plutôt sous contrôle. Et donc je ne peux que rassurer la communauté française. La sérénité, je crois, est de mise, en même temps que la vigilance est indispensable. C'est pourquoi nous lui demandons d'ailleurs de rester à domicile si possible, d'écouter les informations pour suivre l'évolution de la situation. Le système politique gabonais est un peu à bout de souffle et qui a besoin de réformes. C'est un petit pays, 2 millions d'habitants, qui a toujours été partenaire de la France, qui joue son rôle dans cette région et qu'il faut reconnaître. Et en même temps, il y a des réformes à faire. Donc si on peut adresser un message, et c'est ce que nous faisons et ce que nous répéterons, prenez vos responsabilités, faites les réformes qui permettront de réconcilier, de donner, je dirais, un autre cadre à la vie politique gabonaise qui soit plus inclusif. Et en particulier, nous soutenons les initiatives de l'Union africaine. L'Union africaine est de plus en plus présente sur beaucoup de situations conflictuelles en Afrique. Et c'est une bonne chose. Et que les Africains se soient donné cette organisation. Et donc, qui va continuer de jouer son rôle. Donc, je pense que l'Union africaine prendra des initiatives. Mmh. Il y aura dans quelques mois des élections législatives au Gabon. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, d'un nouvel élan démocratique? Mmh. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Et en tout cas... L'annonce des résultats provisoires a provoqué des troubles au Gabon et en particulier des troubles autour de notre chancellerie. Ça n'est pas une chancellerie d'ailleurs, c'est un bâtiment qui appartient à la chancellerie qui a été incendié. Et je sais aussi que le groupe Total et Schlumberger, les groupes ont été attaqués et qu'il y a eu des gens qu'il a fallu sortir de là. Ce que les troupes gabonaises ont fait. Nous condamnons très fermement ces atteintes à l'ordre public et nous sommes prêts à aider les ressortissants français s'il en était besoin. Pour le moment, il n'en est pas besoin. Non, la France n'a pas eu de candidat, n'a défendu personne et n'est pas intervenue. Jamais, jamais, jamais. Nous avons respecté complètement la neutralité nécessaire. C'est un pays souverain. Il faut que les élections en Afrique se déroulent normalement, comme dans tous les pays du monde, avec des candidats et avec un contrôle démocratique des observateurs, ce qui s'était passé. Il n'a pas été blessé. Voilà. Enfin, il a peut-être été blessé, mais pas par balle. La France n'a pas de candidat. La France souhaite deux choses, que le Gabon respecte les règles constitutionnelles et organise des élections transparentes, et que le Gabon garde son unité et ne prenne pas le chemin si couramment emprunté par d'autres pays, des votes ethniques. Sylvania et Yann sont des résidents de Nkok, dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Ils sont inscrits sur le fichier électoral depuis la dernière révision en 2018. Ce jour, ils se sont rendus à la mairie de leur circonscription pour vérifier que leur nom figure toujours sur le fichier électoral. Je suis venu regarder si mon nom était réellement sorti.
Parce qu'on m'a dit que c'est au premier bureau, donc je suis venu regarder si c'est réellement, si c'est vrai en fait. Je suis venu d'abord vérifier mon nom s'il est sorti sur la liste. Donc hier, j'ai trouvé. Maintenant, ce que je suis en train de faire, ce sont mes enfants et mes nièces, puisque c'est des citoyens gabonais qui sont à l'âge de pouvoir voter. Donc je les amène pour s'enrôler. C'est le devoir que je suis en train de faire en ce moment. Le lancement de l'opération de révision du fichier électoral connaît une innovation majeure cette année. Le citoyen qui jouit de ses droits civils et politiques peut désormais se faire inscrire dans n'importe quel centre d'enrôlement et désigner le centre de vote où il souhaite exercer son droit civique. Conséquence, de moins en moins de déplacements s'observent dans les centres d'enrôlement relativement retirés, nous a confié une source sous anonymat. C'est encore timide, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Ça se passe bien, il y a l'ambiance, c'est tranquille, il n'y a pas trop de tiraillements. Donc on collabore bien avec le ministère de l'Intérieur. Ici, au centre d'enrôlement du 2e arrondissement de Ntoum, environ une cinquantaine de citoyens se sont fait enrôler 5 jours après le lancement de l'opération, soit une moyenne de 10 personnes par jour. Ajouté à cela, les activités quotidiennes en semaine, c'est surtout le week-end que les populations se déplacent. Les centres ouvrent dès 8h et se referment à 18h. Rappelons que cette révision du fichier permanent, qui va s'étaler du 9 mai au 7 juin prochain, intervient dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales cette année. Un air de compte à rebours au quartier général des opposants. Deuxième conférence de presse en seulement 24 heures pour le candidat de l'opposition Jean Ping, persuadé d'avoir été élu, est venu réclamer rien de moins que la reddition de son rival Ali Bongo, le président sortant. J'invite M. Ali Bongo Ondimba, dans un grand esprit démocratique, à reconnaître le verdict des urnes, à se soumettre à la volonté du peuple souverain et à organiser, dans la tradition républicaine, la passation des pouvoirs. Mais pour le pouvoir, pas l'ombre d'un doute affiché sur la victoire d'Ali Bongo et un second septennat à la tête du Gabon. Et pour son porte-parole, peu importe les annonces de Jean Ping, considéré par le camp présidentiel juste comme un candidat devenu mauvais perdant. Il avait proclamé publiquement que si Ali Bongo était élu, il n'accepterait pas les résultats. Et donc par peur que la CENAP proclame l'élection d'Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo a été choisi par le peuple gabonais, M. Ping tente de parasiter le système, mais ça ne marchera pas. Bras de fer psychologique et psychodrame post-électoral dans une capitale à l'allure normale, mais moins animée que d'ordinaire. Des magasins fermés ou fermant beaucoup plus tôt. Et dans cette boulangerie, des rayons vides, dévalisés par les clients depuis 3 jours, en prévision de ce mardi tant redouté. D'habitude, c'est souvent 5 pains, 10 pains, mais là, les gens viennent prendre 100 pains. Chose qu'on n'a jamais vue. Même nous, on a eu peur. Même moi, également, j'ai fait des courses chez moi. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté des trucs pour stocker chez moi, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Quelques sirènes dans les rues de Libreville et près de quelques carrefours stratégiques, des forces de sécurité postées dans une ville qui compte les heures avant le décompte final du vote. Pas à dire qui a gagné cette élection. Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas acceptable que l'on massacre ceux qui veulent seulement des élections libres et démocratiques. Je trouve incroyable que l'Union européenne et les gouvernants français, qui sont capables de dire aux Gabonais et à tous les peuples comment on peut ou on ne peut pas pêcher telle ou telle catégorie de poissons, et quelles sont les tailles de la maille des filets, soit incapable de dire ce qu'est une élection démocratique et de le faire. Je rappellerai à tous que votre pouvoir tient au labeur que vous avez accompli. Le bijou de la charge, un gros pas sur un arc de cercle, en serrant un triangle irradié où au centre figure l'œil, matérialise le bon pas qui pour vous est déjà un symbole connu, mais qui pour un grand maître est ouvert à 40. Figurer à partir de ce jour
jusqu'à une cérémonie prochaine. Que l'équerre soit dans nos cœurs et que la chaîne d'une amitié fidèle nous servira à maintenir l'ordre dans la Grande Loge et conduire les travaux et la destinée de ceci. Très respectable frère, et vous tous mes frères, en votre présence, le très respectable frère Ali Bongo Ondimba a été régulièrement installé dans la chaire du roi Salomon selon l'ancien usage, et je le proclame maintenant par trois fois, à l'Orient, à l'Occident et au Midi, grand maître de la Grande Loge Nationale du Gabon, jusqu'à une date fixée par une prochaine élection pour cette Grande Loge, et jusqu'à ce qu'un successeur ait été dûment élu et installé à sa place. Je vous invite maintenant, en vous réglant sur le grand directeur de cérémonie, à le saluer par onze. Prenez séance, mes frères. Voici le règlement de votre grande loge. Je ne saurais trop vous recommander à votre attention, car il ne peut guère s'élever de conflit dans celle-ci. Was a wild guess, but all the various. Au moment où j'ai commencé une tournée pour enfin pouvoir rencontrer mes compatriotes tels que j'ai pensé à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. Mais je suis accueilli. Cet accueil me touche. Il me touche beaucoup. Et je sais que ça va être ça dans toutes les provinces du pays. Jamais, vraiment, je n'aurais été aussi bien accueilli. Et jamais je n'aurais été si bien content. Il me marque, il me témoigne. Malgré cinq ans d'absence, il me témoigne leur amour. Et je n'oublie pas. À recouvrer cette liberté qui leur est contestée. Et nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer. Et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 39-45. Vous éliminerez certains d'entre nous. Vous accuserez d'autres. Vous nous écraserez. Mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres et nous tenons à être libres et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous, nous continuons. C'est bien, monsieur maître.